Bonjour les amis, aujourd'hui au collège nous allons réaliser une mayonnaise pour pouvoir faire des pêchetons. Bon, on aura pu s'en servir pour de la macédoine de légumes par exemple ou d'autres choses. Pour ça, on a besoin de 5 ingrédients. Donc, on a prévu pour 1 litre de mayonnaise, 5 jaunes d'œufs. On a un petit peu d'huile de colza, on a pris de l'huile de colza, 1 litre, sel, poivre, une pointe de piment d'Espelette, un petit peu de jus de citron vert et enfin. Nous allons utiliser de la moutarde. Alors pour ça, nous avons déjà cassé les 5 œufs pour gagner un peu de temps. On met dedans une bonne cuillerée, voire allez, une bonne et demie, là, comme ça on aime bien hein, que ce soit un petit peu relevé, légèrement moutardé. On va y ajouter un peu de sel. Voilà, sel poivre. Alors pourquoi je mets le sel poivre maintenant? C'est simple, parce que ça fond mieux sur un produit plutôt acide comme la moutarde et les plutôt que dans l'huile. Donc il vaut mieux le mettre dès le début. Voilà, je commence et c'est parti. Donc là, j'y vais, vous voyez, toujours le fouet bien au fond du récipient, je tourne et je verse. Vous voyez, là, ça prend. Ça prend tranquillement. Voilà, là, on est bien là, c'est magnifique. Ça monte tout seul. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait plus. Bon, et enfin, là, je vais vous montrer une ou deux petites techniques pour que vous voyez un peu qu'il n'y a rien à craindre. Donc là, par exemple, sans faire exprès, je verse trop d'huile. Oh, j'ai versé trop d'huile dans ma mayonnaise. Elle est loupée. Je la rate. Mais non, c'est toujours pareil. On y va tranquillement. On soulève bien au fond. Tranquillement, comme ça, vous voyez. Hop. Et ça remonte tout seul. Ça remonte tout seul. C'est simple. Pas besoin de s'énerver. On y va tranquillement. On mettra un petit coup de fouet un peu violent à la fin, mais bah, pour l'instant, c'est bien. Voilà, vous voyez. Ça commence à prendre, là. Elle est belle. Allez, je vous remontre. Pour le plaisir. Voilà, j'ai vraiment tout mis là. Je peux le dire. Je n'ai pas rigolé. Hein. On y va. Oh là. Alors là, vous voyez, alors là, ça part en plus en déconfiture. Hein. Ça ressemble vraiment à rien. Mais non, ne vous inquiétez pas. Simple, on reprend là. Et ça va remonter tout seul. Sans effort. Sans aucun effort. C'est en train de reprendre là. Tout doucement. Normalement. Vous voyez là? Là, elle est pas mal. Elle reprend tout seul. Et voilà. Sublime. Elle est belle. Très belle. Vous voyez? Et donc, la finition, on y met un petit peu de jus de citron. Alors, pas une tonne, là, j'en ai mis pas mal quand même pour vous montrer, mais pas besoin d'une tonne. Hop, quelques gouttes suffisent. Et une pointe de piment de. Ben là, j'ai mis un peu de piment d'Espelette, ça peut être du piment de Cayenne ou autre, pour relever le goût. Comme ça, simplement. Je sais pas, c'est bien là, ça y est, un bon goût. Et pour vous montrer un peu la qualité du produit, on ne va pas hésiter à le retourner. Hop, vous voyez, c'est magnifique, hein. Ça colle bien, elle est vraiment parfaite. Merci, à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.